Jennifer, jeune fille de 22 ans, vit avec Fredo, 33 ans, dans un petit F2 de province. Jennifer ne travaille pas, restant à la maison pour s'occuper de Brian, petit garçon de 6 ans, qu'ils ont eu ensemble. Mais depuis quelque temps, plus rien ne va dans ce couple fragile. Non, tu préfères rester avec moi. Esther ? Bah, pour les avoir, tu repasses, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Bah, faut bien que je fasse quelque chose, je suis la seule à bosser. Encore ? Vas-y. C'est prêt le poulet, non ? Non. Non, parce que je commence à creuser. Ouais, bah oui, oui. Ouais, bah je creuse. Ouais, bah creuse, vas-y. Fais ta tombe, allez. Va creuser un trou là-bas. Nous sommes à Roubaix, au nord de la France, dans une cité HLM, où Frédéric, alias Fredo Mercure, employé de l'entretien de la ville, tente de concilier sa vie de couple avec sa passion pour Freddie Mercury, dont il se proclame sosie officiel. Une passion parfois envahissante pour la jeune femme. J'en ai marre. J'en ai vraiment. Vraiment marre. Je sais pas, Fredo, il. Fredo, il aime Freddy. C'est tout. This is the point where the guitarist needs to speak now and again. Today I don't have very much to say, so thank you very much for coming and making this up. Je fais qu'est-ce que je veux. Non, non, tu fais pas qu'est-ce que tu veux, non. Si, j'écoute mon Freddy, j'écoute mon Freddy. Oh, Freddy, Freddy. C'est has-been, Freddy. Has-been, c'est Queen. Non, c'est has-been. Oh, fais pas ta majorée, hein. Oh, bah oui, elle descend de visa à la télé. Tu si tu fais mes chemises, t'écrases pour l'école. Tu vas faire passer tes. Ah, mais j'écoute Freddy. Oui, bah c'est pas grave, hein. Mais qu'est-ce que je veux. On se dispute souvent à cause de Freddy, mais moi tout ce que je sais c'est que Freddy c'est ma raison de vivre, quoi. C'est même si des fois elle a raison, on se dispute à juste titre, mais je sais qu'elle a raison. Et il est à présent 16h. Oui. Fredo décide de répéter avec l'aide de Jennifer. Ouais. Je répète. Commence à nous faire chier. Oh, tu peux pas laisser Brian tranquille. Eh bah Brian ceci, Brian cela, ça va maintenant. Ouais, bah Freddy par-ci, Freddy par-là, c'est pareil, hein. C'est Fredo ouais, Mercure, oh. Pour faire monter la température. Oh bah super. Quelle température. Puis le petit Brian là-dedans, il est pour rien. Il est toujours en train de l'engueuler. T'écoutes pas ta mère. Parce que moi je m'entraîne pour mon pestac. Là. Je m'entraîne, moi. Je fais ça pour le. Hein? Je fais ça pour gagner de l'argent, pour t'acheter tous tes jouets. Hein? Bon. Hein, tu me ranges ta chambre. Je fais des gars là et puis. Puis on a trouvé une belle phrase d'accroche, parce que moi je m'appelle Frédéric. Donc quelque part j'étais destiné à faire ça. Et mon nom de scène c'est Fredo Mercure. Et on a mis sur le poster, sur l'affiche, Fredo Mercure pour faire monter la température. Ça c'est une idée de moi ça. Parce que comme le mercure, la température. Bon, il aurait plus de cheveux. Donc moi tout le temps. Parce qu'en fait mon vrai nom c'est Frédéric François. Mais moi tout.
toute ma jeunesse, on m'a dit qu'est-ce que tu ressembles à Frédéric, à Freddie Mercury. Et puis depuis, j'ai essayé de me mettre dans le personnage. Je me suis dit, c'est un gars qui vivait avec son temps. Donc, comme il vivait avec son temps, au bout d'un moment, il aurait coupé ses cheveux. Moi, je les ai perdus, mais... Tous les soirs pour Fredo, c'est le même rituel. Il doit saluer une dernière fois la statue de son idole. Je me suis quand même, Freddy. Le lendemain, Fredo se prépare pour la répétition de son spectacle. Où c'est qu'il est mon pantalon blanc avec la ligne rouge, la rayure rouge? Lequel? Le pantalon blanc avec la rayure rouge, où c'est qu'il est? Je sais pas, moi. Il devrait être là. Et voilà. Ah non? Ah, le blanc là! Ligne rouge! Oui, lavé? Oui. Il a lavé? Ah non! Non, moi je lave pas la main, tu te débrouilles, tu mets le rouge avec les rayures blanches. Je t'ai acheté une machine, tu t'en sers pas, tu laves à la main. Non! Non, je laverai pas! Ah bah énerve ça si tu veux, hein. Moi je laverai pas le pantalon, hein! Non! C'est pourquoi d'abord? C'est pour la répétition. Oh bah pour la répétition, tu peux mettre un autre, hein! C'est bon, hein, je suis pas la boniche. À quoi tu sers, sinon? Bah, déjà, je fais le repassage, je fais la vaisselle, machin, ça va, hein? Tu veux pas m'appeler Conchita? Déjà que je t'appelle Jennifer à repasser. Oh, ça, c'est malin. Oh, c'est drôle, hein. Excédé par une énième dispute avec Jennifer, Fredo décide de se rendre à la foire locale pour se détendre. J'ai mangé une frite et puis on va voir ce que ça donne, parce que là je suis capable du pire comme du pire. Donc je vais me décomprimer un peu et puis voilà quoi. Ça c'est le truc, ça m'aide à décompresser un petit peu. Ça marche pas leur machin de toute façon, c'est de la merde. Bon bah, là où j'ai fait le con, c'est que... J'ai vendu la bagnole, j'ai vendu la maison pour payer les gars-là, quoi. Notre belle Renault 19, il l'a vendue. Vendue pourquoi? Pour Freddy, encore. Voici enfin le moment le plus attendu de la journée. La répétition pour le grand gala que se trouve à Fredo, le Fredo Mercure Tour. Après avoir évalué les difficultés de ce couple au bord de la rupture, nous décidons de faire intervenir notre psychologue, Josiane Floutiboui, spécialisée dans les relations de couple. Bon, alors on va regarder les premières images du reportage. Prêt? Ah, que je t'aime, tout ça? Ah, bah que je t'aime, mais bah, ouais. Quand tes cheveux s'étalent. Ça, c'est ta faute, tes cheveux. Bien, c'était pourtant une belle chanson. Oh, bah tu parles. Au moins, quoi, ma gueule, elle est belle. Hein. Ouais. Bah oui. Oui, justement, ta gueule. Non, bah t'as pas vu la tienne. Ouais, bah ça va maintenant. Moi, je ressemble à quelque chose. Moi, je ressemble à Freddy, moi. Avec ta moustache. Ouais. Alors, lui, au moins, Johnny, il a pas de moustache. Ouais. Il est beau, Johnny. Oui, oui. Je te dis que tu vas le laver à la main, le pantalon. Non, je le laverai pas. Non. Puis t'as vu comment t'as poussé Brian aussi? Oui, bah Brian, ça, si, Brian, ça là, je te l'ai déjà dit.